Aujourd'hui, on est venu rencontrer le cabinet du directeur du préfet parce que nous voulons remettre aux autorités le livre noir de l'accueil des migrants en Gironde que nous avons rédigé et qui montre l'ensemble des instances de l'État dans l'accueil et la prise en charge des personnes migrantes sur le territoire. C'est un premier objectif de présentation, mais on a un deuxième aussi, c'est qu'avec la nouvelle loi qui a été votée, on vient aussi demander une autre politique migratoire, redire pourquoi beaucoup d'associations se sont positionnées contre la loi et pouvoir faire remonter directement représentants de l'État. Voilà, c'est notre résistance à bras ouverts. Par rapport à cette loi, et en espérant qu'on sera un peu entendu, écouté et entendu. Alors les états généraux des migrations, c'est un processus national qui réunit des assemblées locales dans pratiquement tous les départements et cherche à construire des propositions pour une politique migratoire qui serait inclusive, qui partirait du principe que les personnes étrangères qui vivent sur notre territoire sont une chance pour notre pays et pas un problème. Et donc, aujourd'hui, cette rencontre que l'on fait au niveau de la préfecture, c'est qu'une étape. La suite, c'est que les 26 et 27 mai prochains vont se tenir à Paris une assemblée de toutes les comités locaux des états généraux avec comme objectif de présenter des propositions nationale pour une autre politique migratoire. Et donc, on aura d'autres rendez-vous qu'on va organiser pour continuer en fait ce combat qu'on mène et qui va s'inscrire dans le long terme. C'est le début d'un nouveau processus. Et peut-être que les états généraux des migrations vont s'installer dans le long terme, peut-être pendant un an ou deux ans. Aujourd'hui, il y a une loi régressive qui vient d'être votée, qui est une honte pour la République française, qui est une honte parce qu'elle fait sortir toute une population du droit commun et confie à toutes les personnes étrangères, au service de l'État et de la préfecture. Et donc, lutter contre cette politique, pour obtenir une autre politique alternative, peut-être que ça prendra un an, deux ans, trois ans, on sera là, on sera au rendez-vous. Par Mme Jaffré, qui est l'adjointe de M. Siquet, donc le secrétaire général de la préfecture. L'essentiel de l'audience a bien évidemment porté sur la présentation du livre noir, puisque sur la question de la loi que nous avons abordée, c'est un débat national. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer que depuis tout le travail que nous avons fait, c'est que nous dénonçons des situations où les institutions, les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales sur la question des migrants sont souvent non seulement maltraitants, mais souvent hors la loi. Donc nous avons repris le livre noir, donc comme vous le connaissez, je ne vais pas le détailler, mais sur les questions d'hébergement, de traitement des dossiers, de scolarisation, de santé et de durcissement de la politique migratoire, nous avons posé des questions extrêmement précises de ce qui se passe dans notre département. Donc, Mme Jaffré ne nous a donné aucune réponse. Par contre, nous avons, à la fin de l'entretien, demandé à ce que nous ayons des réponses écrites sur toutes ces questions de la part soit du préfet, soit des services concernés par les questions que nous avons posées. Nous avons ensuite, un petit peu plus brièvement, parlé de la loi, bien évidemment, et des grands aspects de la loi
qui vont aggraver la situation des demandeurs d'asile, c'est-à-dire raccourcissement des délais essentiellement, et le problème de la rétention, y compris, vous le savez, la rétention de mineurs. Donc ça a été le deuxième aspect de notre intervention. Et à la fin, ce que nous avons dit à Mme Jaffré, en tant que représentante de l'État, c'est que nos associations étaient regroupées depuis maintenant presque un an et que ce n'était pas un événement, les États généraux des migrations, mais un dispositif qui était appelé à durer parce que la situation que nous dénonçons aujourd'hui est une situation que nous voulons faire changer. Donc nous avons bien dit que nous ne sommes pas simplement là pour témoigner, mais que nous mènerions à l'avenir des actions et des initiatives parce que nous pensons être porteurs d'un mouvement citoyen important, en espérant qu'un jour il sera majoritaire, mais important sur un sentiment d'indignité dans la société, sur la façon dont notre pays accueille des personnes qui viennent y trouver refuge. On a bien dit que ça n'était pas un rendez-vous comme ça qui n'aurait pas de suite. Donc nous avons demandé, un, des réponses écrites à nos questions. Deux, nous nous sommes... Est-ce qu'ils ont dit oui? Oui. Et dans un délai de combien de temps? Raisonnable. Et à qui ils vont répondre? À Aube. Voilà, enfin, elles arrivent, vont répondre, c'est clair, c'est le collectif d'associations et de citoyens mobilisés autour des États généraux des migrations. Nous avons bien expliqué que c'était à ce titre-là que nous étions là. Et donc voilà, que nous allions. Nous avons parlé de l'Observatoire des droits, puisque c'est une proposition qui a été faite par notre département aux États généraux nationaux et qui va être reprise, c'est-à-dire où tous les manquements à la loi pourront quotidiennement être rendus publics. Voilà, donc on a parlé de tout ça et du fait que nous allions, nous étions disponibles pour tout groupe de travail qui serait mis en place avec les différentes préfectures, États, mairies ou compagnies, afin que nos demandes trouvent des réponses concrètes, puisque nous lui avons dit que nous ne reviendrions pas si c'était pour des groupes de travail qui ne débouchent pas, parce qu'on a une certaine expérience de ce genre de choses. Donc nous avons bien dit que si groupe de travail il y avait, c'était avec des obligations de résultats. Voilà. Et puis on a fini sur la situation particulière des Sahraouis, dont le bidonville a brûlé hier. Et ça c'est Aude qui va vous faire... Oui, parce que la réponse était, on a ouvert un gymnase d'urgence. Au bout de 3 ans de l'existence d'un bidonville, il y a plus de 200 personnes qui vivent dans des conditions indignes. On a demandé que ce n'était pas une situation d'urgence, mais une analyse des cas et une vraie considération pour ces personnes qui doivent avoir des propositions maintenant d'accueil, d'hébergement concrètes et non plus une solution. On n'est pas dans une solution d'urgence d'ouvrir un gymnase qui va être en plus géré par l'association Emmaüs, qui a une mauvaise expérience sur le dernier site ouvert à Pessac pour les Sahraouis. Donc voilà, elle a bien compris l'urgence, je pense, de la situation et qu'on n'est plus là à essayer d'identifier des solutions. Ce qui en ressortira, on verra. En tout cas, c'est vrai que sur la question des Sahraouis, notre prochain collectif de solidarité réfugiés qui se réunit le 17 mai, c'est ça, aura sûrement ce point à l'ordre du jour. Pour voir quel type d'action on pourra mener avec les associations qui ont déjà fait beaucoup de choses sur ces personnes. Ce soir, il y avait d'ailleurs une réunion avec les Sahraouis. Il y a déjà quelque chose pour voir comment préparer, puisque le gymnase, il y avait 4 personnes cette nuit, 4 femmes qui sont allées dans le gymnase dormir. Et je pense que volontairement, ils veulent rester visibles et ils font. Mais c'est pas à nous de le dire ou de les soutenir. Enfin, je veux dire, ils préféreraient qu'ils soient à l'abri. C'est pas la solution. Voilà. Non, on n'a pas été.